T'es-tu reposé un peu? J'ai surtout réfléchi. Ah. Jean-Guy? J'hésitais à t'appeler. Je voulais pas te déranger. Mais tu me déranges jamais, tu le sais. Je m'en veux. Au moins, il s'en est pris qu'à lui-même. Pourquoi t'enlèves toujours ton jour de mariage à chaque fois que tu sors au village, hein? T'as raison. Dans le fond, ça change rien. Tout le monde le sait que je suis marié, t'sais. T'es connu au village, t'sais. Une vraie vedette! T'es malade! Ma patience a des limites, Laurent Lavoie! Et tu commenceras pas à me garocher des affaires! Lâche-moi! Lâche-moi! Bon, je vais aller faire un tour dehors, moi. Oh. Allons-y tous les trois, j'ai besoin de prendre l'air. Je pourrais pas rester longtemps. T'as du temps à perdre. T'es obligé de venir me voir. 5 minutes, hein? Attends. Julie est sortie de la chambre en morceaux. Ben moi, je vais sortir en chaise roulante. Je suis venu dire que tu vas avoir de la visite. La grande visite. C'est le pape envoie les chiens, mais je crois qu'au miracle. Ta mère est ici. Je vais laisser un message, puis elle arrive directement du Caire. Quoi t'as pensé? Je suis même pas capable de l'affronter quand ça va bien. Ça fait déjà une demi-heure qu'elle attend dans la salle d'attente. Fait qu'à moi, elle pouvait attendre encore 10 ans. Ça finira peut-être par être quitte. Attends, je comprends. Non, tu comprends pas. Moi, je voulais mourir. Je voulais pas me réconcilier avec mon père. Ma mère. Je veux rien savoir d'elle, OK? Rien. Elena! Hey! Qu'est-ce qui se passe? T'es la face d'un petit gars qui a fait un mauvais coup. Qui va en faire un, tu veux dire? Je rencontre George Schmidt la fin de semaine prochaine à Deerfield. T'as eu de ces nouvelles? Ben, j'y ai laissé plusieurs messages, puis il a fini par comprendre que je voulais rien d'autre que la maison. Si tu veux, tu peux m'accompagner. Si je m'attendais à ça, c'est capoté. Je te déçois pas trop. Je pensais que tu baissais les bras, mais finalement, t'es aussi entêté que moi. Un vrai Lavoie. Ah,